Coucou mes loulous, connectez-vous, connectez-vous. Coucou mes loulous. Excusez-moi, je ne suis, suis pas là pour durer, je ne serai pas longue, mais je veux comprendre, je veux comprendre quelque chose que je pas à comprendre. Je pas du tout à comprendre. Vous voyez, il y a une espèce, espèce d'humain que moi j'arrive pas à comprendre. quoi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que Dieu a créées que moi j'arrive pas à comprendre. On les appelle les hommes. <laughs> Mais Loulou, tenez-vous bien. Je ne suis pas là pour durer, OK Ils sont en train de taper, comme on le dit, dans notre jargon. Mais vous voyez, souvent, je ne sais pas comme moi, si vous entendez dans, dans votre entourage certaines personnes dire que, ne savent pas que quand je fais ça, c'est parce que je lui rends un service. C'est parce que je l'aide. Elles ne pas que... Quand je l'aide avec les enfants, c'est parce que je lui rends les services. Vous voyez, une espèce humaine qu'on appelle les hommes, ça veut dire que ces personnes-là, vous avez des enfants avec une femme, vous êtes mariés, ça veut dire que c'est d'un commun accord que vous avez décidé de faire des enfants et que ces enfants-là viennent au monde, que Dieu vous les confie et qu'on vous appelle parents. Cette espèce de personne-là pense que toute la charge revient à la femme à dit qu'on ne prend même pas le côté financier. On va prendre le côté où on parle de physique, où on doit s'occuper des enfants, où on doit les nourrir, les habiller, les emmener à l'école, tout ça. Et vous voyez, cette personne avec laquelle la femme se met, qu'on appelle un homme, mari, il pense que quand il est en train d'aider sa femme avec les enfants, c'est un service qu'il rend à sa femme. Mais c'est que je ne comprends pas, quand vous décidez de vous mettre ensemble et que vous décidez d'avoir des enfants, parce que généralement, c'est d'un commun accord qu'on a les enfants. Il y a des cas où souvent ça arrive, on dit accident. Mais moi, mon oncle m'a toujours dit que accident, entre avion et avion, voiture et voiture, oui, on peut parler d'accident. Mais entre homme et homme, il n'y a pas accident. Donc, ça, c'était une parenthèse. Ça veut dire que vous décidez de vous mettre ensemble, d'avoir des enfants. Hum? Et puis vous avez ces enfants. Et puis ce qui, qui fait mal dans l'histoire, c'est que cette femme-là même, où vous, les hommes, vous pensez que c'est elle qui doit plus s'occuper, c'est elle qui doit plus s'occuper des enfants C'est ce n'est pas son nom que les enfants la portent en fait. C'est-à-dire que quand Dieu a dit que l'homme et la femme vont se mettre ensemble, vont former une seule chair, quand on dit et, et que ces personnes en forment une seule chair, et qu'ils deviennent parents. Parce que pour être parent, il faut qu'il y ait un homme et une femme. On n'a pas dit qu'il faut qu'il y ait une femme et une femme, un homme et un homme. Je me base si c'est ce que Dieu a dit. Et puis maintenant, vous devenez parents. Maintenant, quand il s'agit de prendre soin des enfants, là, là c'est la charge de la femme. Et puis vous êtes là tout le temps. Je lui rends un service. Est-ce que je suis obligée de faire ça Ce n'est pas tous les hommes qui font ça. Tu es obligée, mon frère. Tu es obligée. On appelle ça un devoir, une obligation. C'est-à-dire que. C'est ton devoir de parent. C'est ton devoir de parent. Tu n'es pas en train de rendre service à la femme. Parce que ces enfants-là, ils portent ton nom. Ce sont ces enfants-là qui vont pérenniser ton nom. Ce n'est pas le nom de la femme qu'on va pérenniser. Quand on prend cet enfant-là, on dit l'enfant de Kofi, l'enfant de Kwadjo, l'enfant de Siri. OK Donc... Tu as plus intérêt à prendre soin de ces enfants-là. Parce que ces enfants-là, c'est un moment qui vont pérenniser. Quand on dit c'est enfant de qui On dit c'est enfant de Seri, c'est enfant de Kouadio, c'est enfant de Kofi. On dit c'est enfant du monsieur-là. C'est comme ça. Donc, quand vous êtes dans vos couples, dans vos foyers-là, et que ensemble vous prenez soin des enfants, ne vous dites pas que prendre soin des enfants-là, c'est à la charge de la femme. C'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Donc quand vous pensez que vous les hommes, là, vous pensez dans votre tête et puis vous dites à la femme que quand je fais ça, je t'aide, c'est un service éternel. La femme aussi, dans sa tête aussi, elle se dit que c'est un service aussi Donc quand tu fais du bien à tes propres enfants, puis ta femme te dit merci, ce n'est pas parce que c'est elle seule son obligation, c'est elle se son devoir. C'est vous deux, votre devoir. Elle le fait par respect. Donc vous les hommes, c'est bien bon de passer à l'acte et puis avoir des enfants. C'est bien bon de passer à l'acte, avoir des enfants, et puis ces enfants-là vont porter vos noms. Mais aussi, il y a d'autres obligations, il y a d'autres devoirs, qui est de prendre soin de ces enfants-là. Donc, arrêtez dans vos foyers, dans vos couples-là, de penser que quand vous emmenez les enfants à la garderie, vous emmenez les enfants à l'école, vous vous occupez des enfants-là. C'est un service que vous rendez à votre femme. Non. Vous ne rendez pas un service. Vous vous rendez un service à vous-même. Parce que demain, quand ces enfants-là vont réussir, -là, c'est votre nom, parce que c'est votre postérité, parce que c'est votre nom que l'enfant la va pérenniser. Vous êtes dans les foyers. La femme fait parce qu'elle a un grand cœur, parce que ce sont ses enfants, elle est beaucoup maternelle. Au bout d'un moment, vous, vous pensez que c'est une obligation pour elle seule, c'est un devoir de parent pour elle seule. On dit parent, monsieur et madame. Est-ce que vous comprenez? Donc, au bout d'un moment, là, arrêtez de faire chier. La charge incombe à vous deux parents. Sauf qu'on a dit il y a père et puis il y a mère. On n'a pas dit il y a mère et puis il y a mère. On dit père et mère, homme et femme. C'est vous deux là qui faites ces enfants. C'est quand vous décidez d'aller ensemble. Parce que pendant le plaisir, l'acte sexuel, excusez-moi, c'est vous deux qui tirez votre plaisir. Et c'est d'un commun accord. Que vous décidez d'avoir des enfants. Et que quand Dieu vous fait grâce et puis vous avez ces enfants-là, vous avez des obligations, vous avez des devoirs en tant que parents. Ces obligations ou ces devoirs n'incombent pas à une seule personne, la mère, non, aux deux. Et en plus de cela, vous avez intérêt, les hommes, à plus vous occuper de vos enfants. Parce que ce sont vos noms qui pérennisent. Quand ils réussissent, on dit l'enfant des temps, c'est là vous êtes fiers. C'est-à-dire que vous, là, vous voulez quand c'est bon, là. Quand on dit l'enfant, la si vous avez dit c'est mon enfant. Mais pour pouvoir taper la poitrine, c'est mon enfant, là. Il faut prendre soin de cet enfant. Là. Donc vous n'êtes pas en train de rendre service à vos familles. C'est pas parce que les femmes ont un grand cœur, sont beaucoup maternelles, que vous allez penser que le fait de vous occuper de vos enfants, ou de prendre soin de vos enfants, de leur donner à manger, de, de les vêtir, ou même de faire des trucs, c'est l'obligation, mais le devoir incombe à la femme. Je suis désolé. L'obligation le devoir, ça nous incombe à nous tous. Monsieur comme madame. Donc, au bout d'un moment, l'arrêter. Vous exagérez Regardez-moi cela. Matin, midi, soir, hey, je suis obligée de le faire. C'est toi qui es la maman. C'est la maman seule qui a fait les enfants. C'est la maman seule qui a fait les enfants. C'est la maman seule qui a fait les enfants. Si extrait des naissances des enfants, là. quand on dit parents, c'est parents. c'est nom de la maman seule. Quand on dit non, l'enfant des temps, on dit c'est le nom de qui on dit C'est le nom du monsieur. C'est mon fils. C'est mon fils, c'est ma fille. Mais ce, ce fils-là, quand il va donner un nom à ses enfants, c'est le nom de qui il va donner C'est le nom de son papa. Donc vous avez intérêt. Vous avez plus intérêt. Nous, les femmes, même, on vous rend service. C'est nous, les femmes, on vous rend service. Ce n'est pas vous qui nous rendez service. Parce que nous-mêmes, on fait tout ça la même non noms ne la pas sur nos enfants. -là. Donc au bout d'un moment, arrêtez. Arrêtez de nous fatiguer. On est parents, chacun a son rôle à jouer. Que ce soit dans l'éducation de l'enfant, que ce soit dans le fait de prendre soin des enfants. Chacun a sa part. A sa part. Ne venez pas me distraire avec vos histoires de perruques. Je parle de mon sujet. Je dis, celui qui est trop fâché, là, il m'envoie perruque. Tu es trop fâché, ça te fait mal. Là. Tu prends mon adresse, tu m'expédies perruque. Mais je veux pas humain. Parce que je ne mets pas humain sur ma tête. Cette perruque-là, ce tissage-là, je l'ai fait. C'est le samedi, ça fait deux semaines. Donc arrêtez de m'emmerder quand je parle de mon sujet qui est sérieux. Ce concours de beauté, on est venu faire. Ce concours de perruque, qu'on est venu faire. Je parle de mon sujet qui est sérieux. Vous voulez venir me distraire Ne venez pas me distraire. Là, je suis sérieuse c'est pourquoi j'ai mis mes veilles. donc au bout d'un moment arrêtez vos histoires de perruques. et écoutez mon message c'est très important parce que ces hommes là ils abusent trop ils abusent trop et ils pensent qu'ils sont en train de nous rendre ils sont de nous rendre service pourtant ils sont en train de accomplir leurs devoirs leurs obligations de parents donc au bout d'un moment ça suffit c'est nous deux on a fait l'enfant c'est nous deux on doit assumer donc vous ne rendez service à personne vous vous rendez service à vous-même vous avez compris je ne veux plus entendre ça dans les foyers. Je ne veux plus entendre ça dans les couples. Au bout d'un moment, ça suffit. Si tu penses que tu es fatigué de rendre service d'après toi-même, il faut arrêter aussi de passer à l'acte. Parce que quand tu passes à l'acte, il y a tout ce qui vient avec l'acte. Quand tu passes à l'acte et puis il y a bébé, il y a devoir, il y a obligation. Donc au bout d'un moment, ça suffit. Là. Et puis vous, mes soeurs, là aussi, là, arrêtez de penser que c'est vous qui êtes les seuls. Vous êtes obligés, c'est vous qui devez faire. Si ne fait pas, là, qui va faire Si tu fais pas, il va faire. Parce que c'est dans. Si je ne fais pas, qui va faire là Vous restez pour vous mourir de fatigue. Pourtant, quand vous laissez là, vous voyez qu'ils font. C'est parce que vous voulez vous jouer les zimbobol, les cassis les gros bras. Vous voulez vous jouer les John Pololo, les zimbromba. C'est pourquoi les hommes là, ils font ça. Vous êtes dans les foyers, vous mourrez de fatigue. Vous seul, vous, vous tapez tout le boulot en train de vous occuper des enfants. Et puis vous allez venir vous occuper de lui encore. Si il fait pas qu'il va faire. Si tu fais pas, il va faire. Si tu fais pas là, il va faire. Ce sont ses enfants aussi. Si tu fais pas, il va faire. Fais esprit un jour, ne faut pas faire. Tu vas voir qu'il va faire et puis il va bien faire que toi-même. Donc au bout d'un moment là, les femmes, arrêtez ça aussi parce que c'est vous qui encouragez ça. Il y a quoi Dieu a dit que c'est vous seul votre devoir. Dieu a dit que c'est vous seul votre obligation. Si Dieu pensait que ça devait être vous seul votre obligation, là, il allait permettre que vous-même, femme seule, vous allez faire les enfants. Là. Mais si Dieu n'a pas permis ça, qu'il a dit, c'est à deux. Monsieur et madame, c'est que c'est devoir et puis obligation de vous deux. C'est vous, les femmes, les traites, là. Vous vous tapez tout le blondet et, 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 et vous êtes les de, 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 de du, 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 du port. Et puis après, maintenant, vous venez là, vous gémissez. J'ai mal au dos, j'ai mal au corps. Mais celui qui t'a aidé à faire, là, avec qui tu as fait, là, il ne peut pas t'aider aussi à prendre soin de ses enfants. là Au bout d'un moment, ça suffit maintenant. Et puis quand je parle de mes sujets sur eux, arrêtez, là. arrêtez vos histoires de perruques. Je vous ai dit que je viens faire concours de beauté. Je vous ai dit que je viens faire concours de perruques. Je parle de mon sujet bien, bien, très important. Vous me parlez de quoi Au bout d'un moment, arrêtez. Ça là, ça me dit, et je suis passé et fait. Je dis, je ne mets pas une humain sur ma tête. Parce que je ne veux pas. Ma relation avec Dieu ne me permet pas de mettre un humain sur ma tête. Sinon, j'ai les moyens de m'acheter ça. Donc, celui qui est trop fâché, là, tu m'expédis perruque. Je n'aime pas perruque aussi. C'est pourquoi je me débrouille moi-même, je fais mes tissages. et hey, on n'a qu'à passer à l'essentiel. Hein. Ne venez pas me distraire, vos histoires de perruque, là. On est là, on change de coiffure, vous parlez. On fait telle coiffure, vous parlez. Il y a quoi J'ai dit, ne m'éloignez pas de mon sujet qui est important, parce que je suis fâché. Je suis fâché. Marie et femme. On dit mari et femme. Enfant, là, c'est pour nous deux. Donc ces enfants là, c'est pour nous de ce nous dont on doit prendre soin de, de, des enfants là. Ne viens pas me dire que euh, non, je te rends service. Quel service tu me rends Quand on faisait nous deux là, c'est service tu me rendais. Quand nous deux on, on, on tirait notre plaisir là, service tu me rendais. Quand Dieu a dit monsieur et madame là pour devenir parents là, il a dit que c'est la charge, c'est le devoir mais l'obligation d'une seule personne. Et vous les filles, arrêtez ça maintenant. C'est à cause de vous les traîtres là maintenant qu'ils sont assis dans les fauteuils, ils sont assis sur les ordinateurs puis ils croisent les pieds puis vous vous tapez tout le boulot après vous pleurez. Là quoi vous, êtes toujours, vous avez toujours cette mentalité-là pour dire non, c'est la femme qui doit prendre, la femme qui, qui, qui doit prendre soin de l'enfant. C'est la femme, c'est la femme, vos mentalités à d'Afrique-là. Non, hein, arrêtez ça. Même si vous êtes en Afrique, monsieur doit faire aussi. Demain, quand un s'en va là, l'autre est perdu. Parce que c'est le vrai point qu'elle a. À force de faire, tout, vous seul, tout. Vous vous occupez de tout. Souvent, même monsieur, même dans la maison, vous, il ne sait même pas où vous mettez les vêtements des enfants. Il ne sait même pas où garder les choses. Il ne sait même pas comment laver un enfant. Il ne sait même pas comment prendre soin d'un enfant. Parce que vous, les femmes, vous permettez ça. Et demain, quand vous, vous, vous on touche du bois, quand vous mourrez, le monsieur est perdu. Parce qu'il n'a pas pour habitude de le faire. De nos jours-là, tout le monde travaille. Homme comme femme, tout le monde travaille. Donc, le, le deuxième boulot de la maison, tout le monde doit faire aussi. Il n'y a pas à faire de dire qu'on a bassé quelqu'un. Il n'y a pas à faire de dire qu'on a bassé quelqu'un. OK Il n'y a pas de basse ici. C'est autant de nos mamans là, on disait basse. Il n'y a pas de On ne doit pas être choqué maintenant quand on voit un homme laver assiette, mettre enfant au dos. On ne doit pas être choqué. Quand on voit un homme faire boîte à dîner de son enfant, donner à manger à son enfant, préparer, on ne doit pas être choqué. Donc vous, vous voulez évoluer quand il s'agit des finances pour dire que c'est deux mains qui doivent se laver. cest à dire que madame contribue, monsieur contribue. Là, quand il s'agit des finances, c'est bon. Mais quand il s'agit de faire maintenant le travail à la maison, de s'occuper des enfants, là, c'est l'affaire de la femme. Mais pourquoi, quand il s'agit de contribuer, là, vous dites pas que c'est l'affaire de monsieur Parce que autant de nos parents aussi, c'était nos papas qui faisaient. Arrêtez de donner occasion aux gens. Là. Arrêtez ça. Sinon, je vais me fâcher. Vous, les FBI de perruques, là, FBI de cheveux, là, vous pensez que nous, on a le temps pour ça on vient parler des sujets sérieux. Tout le monde, les femmes sont en train de mourir ici. Sont en train de mourir de fatigue partout dans le monde. On parle de ça. Émancipation, ça doit être émancipation aussi à la maison. Émancipation, quand quelqu'un dit que lui, il est chef là, de la famille, là, il doit être chef là-bas aussi. Il est chef quand ça l'arrange. Mais quand c'est sur le volet financier, il n'est pas chef. Hein? Là, là même, on, 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 on contribue, on fait 50. Donc tout le monde doit faire 50 dans les tâches ménagères aussi. C'est le vrai point qu'elle a. OK donc, les filles, arrêtez ça. Et puis, vous, les garçons, là, je n'aime pas ça, carrément. Je te rends service. quoi? Oh, je te rends service. Tu te rends service à qui, qui puis, Ces enfants, ils portent le nom de qui Ces enfants, ils portent le nom de qui Ce n'est pas ton nom. Quand on dit, demain, l'enfant n'est pas réussi, ce n'est pas toi qui es content? Donc, il faut arrêter ça. Tu te rends service à toi-même, carrément. On parle de tes obligations, de tes devoirs. Tu viens parler des services. Je n'ai pas aimé d'après les vidéos. Hashtag, il est passé. Hashtag, il est passé, c'était ça Melou c'était moral bol mais venez encore parler de ma perruque venez encore parler de mon nom j'ai enlevé maintenant venez encore parler de mon front là. vous qui m'insultez ne vous coupez là vous voyez pas le front là L héritage de mon papa là ça là j'ai fait ça samedi ça, 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 samedi passé c'est ce samedi là ça a fait deux semaines et puis il a enlevé il a fait... métissé moi-même donc c'était ça j'ai pas aimé hein, les hommes méfiez-vous méfiez-vous bye ouais.